Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Cool, yeah. Nous allons parler infrastructure dans le journal là. Pour une fois qu'on est ministre Travaux Publics, Transport, Communication. Nader Joiseus, qui te gagne avec le directeur départemental TPTC, la Tibonitlan, au divin Blondeau, visite travail construction pont sous rivière Abricot dans la commune Saint-Marc. Ministre te regardé l'état avancement travail. Yo. Ministre Nader promet y a continué à tout l'autre travail infrastructure qui a réalisé dans différentes zones dans le pays qui te fait partie projet président Jovenel Moïse. D'ici 22 juillet, on va fin juillet pour nous déposer pont. Je suis venu là, je suis venu au moyen pour me sortir un béton hydraulique Port-au-Prince pour me mettre la donne et puis pour le finir. Et si je suis fini avant de finir avec le président, côté Liam, je suis content. De même, si j'étais capable d'inaugurer la centrale Carrefour avant de finir avec le président est content. Donc, je vais parler de sa autorité supérieure pour qu'il s'est fait la donne. D'ici moi, juillet ça. Pont sac à déposer et d'ici 15 août à 22 août, pont privé là et commencer. Non, ça opérationnel. Avant de faire moi ça, pont privé là a commencé vers 15 à 22 août. C'est dans le cadre samedi là, Saint-Marc, c'est pas seulement pas Saint-Marc. Moi, je viens de Saint-Marc pour me garder comment travailler va avancer. Cafoujoff pour des pères continuer et Monchi a continué. Jean-Rabel pour des pères continuer. Donc, pour me citer ça seulement. Et sans compter, et Bé Saint-Marc là, et Littoral Saint-Marc là, et au Cap là, nous commençons à travailler là-dedans sérieusement. Et nous parlons des barrières battantes tout. Et nous travaillons tout côté, nous avons quitté. Nous avons été dans le département La Tibonite pour une fois qu'on ait travaillé réhabilitation centrale électrique d'Oué dans la commune Liancourt dans la dernière phase. Tout testio déjà réalisé et puis centrale là marché d'après responsable. Il était seulement quelques matériels qui pouvaient mettre réseau à connecter et puis pour distribution courant en fait dans diverses communes dans bas la Tibonite là. On suit. Tout système là en forme, seulement et transport, réseau qui pour transporter courant c'est mettre pas bon. Pas oublier moi dit fête Liancourt c'est pour demain 16 juillet et pour le fête Tirivière pour bientôt 29 septembre. Fête Verrette c'est qui est 8 septembre. Donc nous-mêmes, nègre Tirivière, nègre la Tibonite, ça a présenté quitté le bouton. Donc il faut nous goûter pour nous joindre. Les dîmes, dégagez-nous de vous mettre Jean-Jacques, réhabiliter le réseau. C'est dans le cadre de Sambin là, nous sommes prêts d'après l'usine. C'est réseau pour nous mettre en forme. Moi et là, c'est Noka, nègre la Tibonite, pareillement. Donc pas faire nègre la Tibonite ronde. Donc dégageons, mettre garçon sur vous. Faire monde la Tibonite, c'est soit courant. Si rivière la Tibonite, il y a près de 10 ans, c'est chaque Saint-Jérôme qui est en courant. Le président Jovenel dit à Nessal, pas qu'il est arrivé. Verrette, c'est même bagarre là. La Tibonite, là, son côté qui est censé avoir un paquet de chance. Il y a centrale Saint-Marc là. Il y a gagné, naturellement, centrale ça à côté de nous, là, qui a gagné en capacité de en fait, 3 MW installés. Et que nous avons Saint-Marc également qui ont capacité, et je peux dire, jusqu'à 7,5 MW installés. Qui, normalement, lorsque vous déployez, nous prenons les deux à la fois, vous êtes capable de bailler en plus chance pour que la région ça n'a pas de l'IA, li véritablement vive question énergie électrique. J'en entends le ministre dire là, je dis à là, dans pile espoir. Ça veut dire que c'est toujours la même vision. Et puis, au niveau électricité d'Haïti, c'est un plaisir pour que l'effet travail, pour que l'énergie a censé traverser dans toute région. C'est pour ça que nous avons bataille, c'est pour ça que nous avons travail. Nous venons jouer un président qui a une vision, ça, qui a marché à vision, ça, et que nous même tout, nous marchons rencontrer. Nous disons tous que c'était une chance pour l'électricité d'Haïti parce qu'il y a un pôle de développement question ça. Il y a un élément essentiel et que le gouvernement pratiquement Tekembe, c'est l'énergie électrique là presque partout. J'en dis, c'est chaque fête patronale, une zone
qu'on bénéficie d'énergie électrique. Nous, à peine temps de là, il y a 4 ans, Petite Rivière de la Tibonite pas fêté avec énergie électrique. Et bien, on dit que à partir de décision ça qui prend là, nous même nous allons faire un pile effort en tant que directeur de province pour l'électricité d'Haïti afin que zone yo soit dotée d'énergie. On a quitté le département la Tibonite pour nous prendre direction département Grand'Anse côté enterrement journaliste Diego Charles Chanté mardi 13 juillet 2021 dans chapelle Médaille Miraculeuse dans ville Jérémie dans département Sila. C'était l'occasion pour famille, amis, salier des pas journalistes là et puis rendre un dernier hommage. Journaliste Vision 2000 ans, Diego Charles mourut assassiné ensemble avec militant politique et puis porte-parole Matrice Libération, hein, Marie-Antoinette Duclair dans la nuit de mardi 29 pour arriver mercredi 30 juin 2021 dans Rue Acacia, zone Crissois devant la Caille. N'a souligné plusieurs associations journalistes à Paris pour organiser un messe qui aime samedi matin à 8h dans l'église Saint-Louis-Roi de France, dans mémoire Diego Charles. Le Premier ministre AIA Claude Joseph a présenté le comité qui a une responsabilité pour organiser le funérailles président de la République, Jovenel Moïse. Le comité a formé dans tête collée avec Madame Président d'après déclaration du Premier ministre AIA. Maman qui formait Estrictissila, c'est ministre Affaires étrangères Claude Joseph. Ministre Défense, Jean-Walnard Orneval, ministre Kilti à Communication, Pradel Henriques, ministre Intérieur à Collectivité Territoriale, Gonzague B, directeur cabinet président de la République, directeur Mupana et secrétaire général présidence. Le comité, ça, selon résolution qui prend le conseil ministériel, doit remplir mission, l'urgence à doit faite pendant le premier ministre AIA, dit qu'il compte sous support à collaboration institution de l'administration publique. Un extrait dans le micro, Marie Dieudonne, Hortenu, en suivre. C'est effectivement en accord avec Madame Présidente, famille, comité ça a créé par un arrêté qui vient pour mission. Organiser dans le respect, dignité et solennité, funérailles chef de l'État pays. Sous instruction du Conseil ministériel, le comité ça doit prendre toute disposition pour bien réaliser la mission. Institution et administration publique là doit bailler le comité à toute collaboration nécessaire pour accomplir la mission. L'État doit mettre tout moyen en main le comité ça pour faire travailler dans le respect la République là. Jean, secrétaire d'État se dit là, gagné rumeur qui a circulé, mais vérité a nous toujours essayé gagner bien communiquer avec nous presque chaque jour sur sa gouvernement ça a fait depuis après la mort tragique président de la République là. Même on a institution, si nous voulons, qui fait partie du comité ça. Donc, chaque fois que je cite le nom, il y a avancé. C'est le ministre des Affaires étrangères à quitte là, qui donc c'est moi-même. C'est le ministre de la Défense là, qui a avancé. C'est le ministre qui tient à la communication, qui bien sûr a avancé. C'est ministre intérieur à collectivité. Yo. Ministre, avancé. Merci. C'est, bien sûr, directeur cabinet président de la République là, que m'a demandé pour avancer. C'est secrétaire général présidence m'a demandé pour avancer. Qui n'est pas là? Qui n'est pas là? Merci. C'est directeur général Mepana. On va demander qui peut avancer. Peuple haïtien, frère Maxime, on va demander nous pour nous accompagner comité ça.
participé dans la cérémonie hommage qu'a organisé dans la mémoire président, une façon pour l'aller dans l'honneur avec dignité. Notre information dans le journal la délégué départemental l'Ouest là, Gary Bernadotte, qui te gagne à Cli, secrétaire d'État sécurité publique là, et puis vice-délégué arrondissement Port-au-Prince là, déposé un bouquet fleur et puis lui-même bougie dans mémoire ancien président république là, Jovenel Moïse, qui mourit assassiné 7 juillet 2021. Cérémonie ça organisé devant Palais National mercredi 14 juin comme signe solidarité avec président Jovenel Moïse selon initiateur Lionel Jean-Louis avec Michel Joseph était sous place. Y a dit nous plus. Quelques jours après assassinat président républicain Jovenel Moïse, partisan et sympathisant continuent à demander explication sur gamme ça qui passait dans la nuit 6 pour arriver 7 juillet passé en. Des clans et puis plusieurs partisans et sympathisants l'imé baleine et puis déposer fleurs pour saluer départ président Jovenel Moïse. Responsable a annoncé que notre activité qu'a bien pour réaliser toujours pour rendre hommage à chef l'État. Non seulement c'est délégué départemental, même son monde qui fait 6 ans et 5 mois Jovenel Moïse parce que moi j'ai commencé avec elle depuis le premier jour j'étais dans la campagne là. Et jusqu'à ta dernier temps parce que nous toujours observé. Ça veut dire parce que nous connaissons ça représenter pour moi. Et je ne suis pas senti trop bien si je dis que je ne prends pas l'initiative ça pour me faire. Et ceci, nous faisons ça, c'est un commencement. Nous allons commencer une série de veillées patriotiques dans la cour de délégation. Côté invité tout le monde qui a participé avec nous. Et nous allons chita là pour nous réfléchir, pour nous voir comment. Parce que nous pensons que chaque fête là, et je dis encore nous tous haïtiens, pour nous réfléchir sur ça. Parce que. Et côté remet Jovenel ou pas remet Jovenel, mais étant qu'haïtien, je pense que ça, faut nous tous haïtiens faut conscients que l'île le temps, et je toujours dit dans toute interview, on fait l'île le temps pour bon bagage qui change dans le pays ça. Je souhaite que nous tirer une leçon de ça. Et pour ça, le président va couler en vain pour nous-mêmes haïtiens pour nous faire l'autre bagage à pays ça. Participants, je souhaite la justice identifier et puis. Ni tout le monde qui participe dans ça. Nous besoin pour remettre la patte ou bien main en bagagan tout assassin. Quel dit a participé de près ou de loin. Pour auteur intellectuel, monde qui te finance le crime, faut tout le monde joindre mon épiaso capable d'arrêter, flanquer en prison, non comme en prison à vie, à perpétuité. Et puis, nous dit moun ça yo. Dégagez peut-être au vini par la justice. Parce que si vous quittez. C'est le peuple ça qui cherche la caillou, nous disons la plus fatale pour vous. Parce que le peuple ça, pas dans le grand dedans. C'est aujourd'hui là, vous comprenez que le peuple comprend que vous avez diabolisé le président Jovenel devant. C'est pour le président Jovenel passer pour n'importe qui, pour n'importe pour pas rien. Et pourtant, la bataille président Jovenel t'a mené, son bataille qui était en faveur. Qui donc n'a dit, portez-vous Jovini, pas quitter ce nous calder. Nous mettons nous ensemble pour nous dire que le président n'a pas coulé pour grand Messi. Ça, nous même militants de BHTK, nous avons fait 20 décès, mais Jovenel au pouvoir. Nous chauffons le béton et ça arrive, une révolution fait dans le pays pour ça. Suspendre parce que chaque tinek nous qui gagne tête qui veut faire bagaille pour pays ça moun ça yo met tête ensemble dans pays ya yo détruire nous même nous dit fois ça pas passé. Président Jovenel Moïse mourit assassiné la Kaili 7 juillet passé en n'a souligné la police déjà arrêté plusieurs suspects dans quatre dossiers ça. L'autre point dans le journal là, coordonnatrice commission qui a cherché solution à crise pays à Magali Komodeni fait qu'on est commission a déjà rencontré plusieurs organisations et personnalités dans la diaspora dans le cadre de travail. La coordonnatrice a fait qu'on a continué le travail, marché à joindre à tête politique pour un consensus large côté décision qu'a prend à permettre de résoudre la crise pays pour une journée aujourd'hui. En suivi. Dans toute consultation, nous rencontrons plus d'une centaine d'organisations et de personnalités de la diaspora. Appel là, vous voulez dire parti politique. Nous pas à agir d'autorité. Non. Conscience citoyenne. Volonté de prendre destin en main fait que nous paraissons tête baissée devant nous. Nous pas convoquer nous, nous marchons joindre nous. C'est ça nous fait. Et nous souhaitons, nous connaissons une pile qui comprend déjà, mais nous souhaitons que le consensus là encore plus large. Pour que nous arrivions à dire, oui, c'est dans nos sociétés
que l'accord ça décide. On va continuer à parler d'accord, à compromis, pour une fois qu'on est ensemble, acteurs qui travaillent pour y rejoindre une solution dans la crise pays. Je demande tout haïtien travaille dans tête ensemble pour résoudre le problème pays à faire face, journée jeudi. Initiateur Sayo invité acteur dans une conférence politique jeudi 15 juillet 2021 pour discuter ensemble pour joindre un accord dans l'intérêt pays d'Haïti. En suivant. Tout haïtien, quel que soit le niveau de divergence de vue que tu as gagné, faut que nous fassions un entente pour faire que nous restions pays à côté là. En même temps, nous en faisons un danger commun, nous en faisons aussi de une opportunité que nous gagnons pour que ensemble, c'est nous qui disons. Qui compte payer à parler, dans ce sens, nous faisons un appel à tout secteur, tout niveau, pour comprendre que nous gagnons un conseiller, nous avons un impératif catégorique pour que nous mettions ensemble pour conjurer danger comme ça et permettre que le pays nous prenne route, rupture que le peuple a demandé là, je vous dis. Dans ce sens, l'important pour que à quoi ça, les joigne. Et je viens rapidement pour que ça des bons accords qui jouent rapidement sous base un consensus très large de tout secteur. Jeudi 15 juillet a gagné tenu une conférence politique. Quand les acteurs a gagné pour discuter et je accord là qui permet que nous mettons pays à sourire. C'est une assemblée qui a réuni et c'est l'assemblée qui a besoin d'accord là. Donc nous n'avons pas un accord ficelé. Nous avons un accord qui est préparé déjà, que nous avons adhéré la dernière, il y a venu, il a discuté de tout travail que nous faisons déjà, de résultats que nous joignons déjà. Il a mis devant humblement, j'en fais déjà, pendant deux séances déjà. Et c'est ça qui permet de nous une table là. Je dis là, c'est même démarche que nous avons fait. Donc nous avons un accord prédéfini qui cuit qui l'a. Donc c'est pas un accord là fait juste ça. À partir de débats que nous de solutions que nous venons. Nous avons une proposition que nous gagnons. Et ces propositions à mettre sous table là au niveau de tout le monde. Sous accord qui joint entre eux, que pour une résolution, mettez M. Lambert, président de la République. Bon, démarche pas non, nous pensons qu'avant qu'on arrive dans des décisions comme ça, il faut qu'il y ait une pile concertation. Et c'est une démarche, ça, c'est une démarche de concertation que nous avons. Nous avons une initiative, l'initiative là, la vous salvo. La privée côté pour le mais nous-mêmes, ça va déranger la démarche que nous avons fait, son démarche de construction d'une force de société. Parce que nous pensons aujourd'hui, à pas de piquer le vent, pas de presser, c'est permettre que le pays a joint moyen pour le calmer, pour le venir un espace de dialogue, un espace de discussion et pour le venir une résolution qui reflète fondamentalement la préoccupation du peuple haïtien. Si tu as parlé toujours dans le journal là, parti politique, plateforme nationale, secteur populaire haïtien, invité tout acteur politique, représentant secteur religieux et la société civile là, prend un dialogue. Président France Pas, Dieu donné les rissons, quoi, dialogue, c'est celle option qui est capable d'aider à terre, arriver dans un consensus national pour libérer le pays dans la crise la vive, je dis là. En côté, Dieu donné les rissons. Le consensus historique, qui pour permettre pour haïtiens river jouer en entente sous toutes mes ententes pour haïtiens river météo d'accord sous tout ça on vient comme désaccord pour nous river construire un autre l'état. L'État qui doit protéger et servir tout haïtien. Pour assassinat politique, pas jamais fait dans le pays encore. Pour nous arriver à combattre la justice sociale. Pour nous arriver à réduire l'écart de richesse. Pour y résoudre problème insécurité. Pour y mettre campé un gouvernement qui gagne légitimité et puis qui cadre avec dernière décision
président Jovenel Moïse te prend avec criminel yo, te assassiné. Nous quoi? C'est seule façon, c'est seule formule qui permet de nous bien gérer la continuité de l'État et pour arriver à rétablir l'ordre républicain. Ce dialogue ça, ce chita palais ça, ce tête somme ça, qui permet bonjour, élection arrivée faite dans le pays. Côté peuple haïtien, a gagné opportunité pour choisir dirigeant démocratiquement. Et puis, doyen tribunal première instance, Port-au-Prince, M. Bernard Saint-Ville, by garantie tribunal première instance, a collaboré dans le cadre de travail qu'a fait pour faire lumière sur le dossier assassinat président République, là, Jovenel Moïse. Doyen profiter, féliciter la police nationale d'Haïti à tout partenaire international qui commence à permettre vérité sortie sous Zak assassinat si là. Puis loin, M. Bernard Saint-Ville souhaitait PNH à tout l'autre partenaire, l'autre pays, continuer de travailler là jusqu'à ce qu'il arrive à mettre en bas code tout le monde qui est coupable dans quatre dossiers si là. Bernard Saint-Ville, doyen tribunal première instance Port-au-Prince. Heureusement, nous avons des avancées significatives qui faites dans la phase enquête là. Donc on est l'enquête, son équation qui gagne plusieurs inconnus, c'est auteur, co-auteur, complice. Heureusement, nous, avec travail, la police a fait, en particulier, direction centrale police judiciaire, nous profiter pour nous féliciter. Avec accord, l'autre pays à Banon, nous commençons à jouer une vérité sur ça qui passe. Nous avons souhaité qu'il aille jusqu'au bout pour nous capables de faire toute la lumière. Nous, parallèlement, commissaire gouvernement, parallèlement à l'enquête que la police a menée. Nous connaissons que le pas interdit par la loi. En situation de flagrant délit, le commissaire gouvernement, qui est chef de suite pénale, qui a donné une direction enquête là, il a une délégation de compétences à la direction centrale de la police judiciaire. La loi n'a pas interdit, parallèlement, pendant la direction centrale de la police judiciaire, a fait travailler par délégation du commissaire du gouvernement, pour le commissaire lui-même, il continue à attendre tout l'autre monde qui a gagné un rapport avec ce qui passe. Nous souhaitons que vous fassiez travailler à un temps qui est raisonnable pour être capable de saisir le cabinet d'instruction. Parce que nous avons jugé des enquêtes selon législation pénale. Non, c'est le juge d'instruction. C'est lui-même à partir de l'ordonnance. L'ordonnance qu'il pourra rendre à partir du travail d'enquête qu'il pourra faire, qui pourra compléter tout ça que la police avec parquet n'a pas bien fait pour ne pas le juge d'enquête là. Qui pral entrer dans tout détail aussi que pour le procéder par commission rogatoire parce que nous connaissons l'autre monde, nous tendons le tout, il y a l'autre monde qui a une nationalité étrangère qui est impliqué. Compétent juge là, les territoriales, ça veut dire qu'il y a un côté pas arrivé. Heureusement, pour quelques infractions, par exemple, les cas de criminalité transnationale organisée, la loi permet de recourir à entraide judiciaire. Ben, c'est tout bagage ça va pas le fait. Pour nous capables de faire toute la lumière, pour ne pas dire plus jamais, bagaille ça pas répéter encore dans l'histoire pays nous. Parce que nous songeons la dernière fois, nous t'étendons au président et assassiné, c'était en 1915. Pour nous penser son bagaille, son temps était révolu, nous ne pouvons jamais connaître encore. C'est grave pour mercredi dernier, lors de vote des assaillants entrent dans la résidence privée du président de la République, en bien assassiné dans Jean Abtandel. Bon, bagaille ça, non seulement c'est des bagailles qui sont graves. Mais qui va faire honneur à pays nous tout, n'attendons pas tant de monde paraître, ils rentrent car au président et tuer, quel que soit ça, on monte car il y a un président, mais ce n'est pas tuer ou tuer quand même. Bon, nous-mêmes, beaucoup de pas dans le tribunal de première instance de Port-au-Prince, immédiatement qu'on saisit le dossier, nous distribuons le baron juge d'instruction, et il faut que nous là pour nous encadrer le juge d'instruction, on a profité pour demander CSPJ pour mettre moyens à la disposition du juge d'instruction ça qui va le dossier. Pour capable faire enquête, avec pour capable connaître toute la lumière autour de ce qui est passé, pour capable faire un bon procès, côté à respecter toute garantie judiciaire, mais si on monde fait ça tout pour le payer pour ça le faire. La même logique, ça, responsable dans le paquet Port-au-Prince, tendé mardi 13 juillet 2021, ancien député 50e législature, Jerry Tardieu. Audition ça déroulée sous assassinat chef l'État Jovenel Moïse. Dans la nuit 6 pour ouvrir 7 juillet 2021, dans Pèlerin 5, commune Pétionville.
C'est une attaque contre souveraineté et symbole l'État pays, Zak assassinat ancien chef d'État haïtien Jovenel Moïse qui arrivait dans la nuit 6 pour l'ouvrir 7 juillet passé. Ces déclarations, co-directeur des Français Plus, M. Antonal Mortimer, fait mercredi 14 juillet 2021. L'irrité quoi, il y a un moyen qui permet le pays à sortir dans sa lié là, c'est chita parler en toute force vive nation pour capable de résoudre le problème. Ensuite, li, dans le micro, Miguel Milias avec Max Joseph. Nous Zach Baba qui fête sous chef d'État haïtien. Nous condamnons l'assassinat de ça et nous pensons que c'est un assassinat politique. C'est un assassinat qui est lié avec mafia locale et mafia étrangère. Et Zach assassinat qui fait sous M. Jovenel Moïse comme président de la République. Ils sont attaqués contre l'État, contre le symbole de l'État, contre la souveraineté du pays. Donc c'est pas seulement une attaque contre la personne de Jovenel Moïse, mais c'est une attaque contre Haïti. Et nous-mêmes, nous apprenons avec désolation, nouvelle ça. En tant qu'organisation Cap défend le droit monde, nous considérons vraiment son avilissement pour le pays, le fait qu'il y ait étranger qui est impliqué dans l'assassinat. Il y a un chef de l'État qui est au pouvoir. Ça mettait la police tout au nez, système sécurité paysan à nu, parce que justement, il montre incapacité pour protéger mon pays, mais pour protéger les premiers citoyens de la nation. Et ça qui passait là, il encore, on l'autre fois, montré comment l'État haïtien, une faiblesse institutionnelle avérée, et l'État haïtien effondré. Le fait qu'elle n'a pas même qu'à protéger les chefs de l'État. Moi, invité la police nationale pour les plus actifs dans chercher bandits. Il faut me saluer déjà la diversité dans la police nationale qui fait effort pour marrer, présumer, assassiner. Mais il faut me saluer toute la population de Pétionville qui les veut camper pour aider la police à chercher assassins et marrer. Bon, nous pensons qu'il y a de l'autre assassin qui est capable là toujours. Donc nous encourager que la population accompagne la police et nous encourager la police double vigilance. Par rapport avec l'autorité judiciaire, pas qu'un protocole en particulier, donc nous-mêmes nous pensons 8 jours après, nous parlons de l'action publique en mouvement. C'est vrai, nous avons invité quelques personnalités, mais il n'y a pas qu'un monde qui est dans la sécurité, le président de la République, il n'y a pas qu'un monde qui est dans le service, le service protocole, il n'y a pas qu'un monde qui est dans le service communication. Téléphone, il a dit, il est bouillé qu'il était les plusieurs mois avant. Donc nous pensons qu'on paquet de monde pour l'action publique tendue. Ça veut dire pour le commissaire gouvernement Port-au-Prince. Bon, nous, le commissaire, très slow. Normalement, la loi dit, depuis qu'il y a un monde mouru, depuis qu'il y a un crime qui fait ton côté, le commissaire gouvernement saisi d'office, lui mettait l'action publique en mouvement. Lui, c'est chef de l'action publique. Mettre l'action publique, c'est population, mais chef de l'action publique, c'est paquet de Port-au-Prince. Donc après 8 jours, donc nous pensons paquet Port-au-Prince c'était de mettre en branle pour chercher auteur intellectuel, auteur criminel. Bon, nous espérons le travail de CPJ a fait, a permettre et paquet avancer, mais pendant le CPJ a attendu l'autre monde, pendant la police criminelle, la police scientifique a agi. Donc nous pensons que paquet Port-au-Prince doit agir pour les gens qui étaient dans l'entourage et le président pour attendre. Nous demandons des gens qui sont dans tête pays toujours, qui sont dans l'État, pour yon agir en transparence et pour yon assurer sécurité la vie chaque monde qui en Haïti, la vie bien monde et bien public yon, pour l'État pas finir fondre. Deuxième bagaille, nous avons son message par acteur ou bien protagoniste politique et société civile là, pour yon vraiment discuter avec sincérité, j'ai une solution consensuelle pour nous diriger le pays jusqu'à ce que les pays ici en mettent des monde qui sont légitimes dans tête li. Et troisième recommandation, c'est peut-être pour la population. Je dis comme Haïti pour aller fondre ou bien effondrer à cause des dirigeants qui n'ont pas fait travail ou bien pas un bon dirigeant et structure sociale qui n'ont pas fonctionné, structure politique qui n'ont pas fonctionné bien et l'État même qui a une faiblesse institutionnelle qui est avérée. Donc nous pensons population, je dis de prendre des phénomènes, d'organiser pour impliquer plus dans la vie politique, dans la vie publique pays. Parce qu'il y a trop de monde qui était sous côté dans la vie sociale, dans la vie politique, je veux dire. Nous pensons que les jeunes, les femmes, ils sont au moment où on marche contre eux, lever camper même, pour nous réorganiser la République d'Haïti, et qui ont une histoire une vaillante histoire, une histoire exceptionnelle comme peuple, pour nous sauver la dignité, pour nous sauver la souveraineté. Voilà,
Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier de vous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer cette cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.